Le plus gros flétan de l'Atlantique a été sorti de l'eau à Saguenay dans les dernières heures. 193 livres, 77 pouces de longueur. On en avait pêché un de 156 livres en mars 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Saguenay? Rémi Aubin est président de promotion pêche. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, vous aussi? Oui, ça va très bien, merci. Je vous dis d'entrée de jeu, je ne suis pas du tout une spécialiste de la pêche au flétan, donc je vais vous poser la question. Ça va bien, là, la pêche au flétan au Saguenay, là, depuis ce programme de recherche mis sur pied il y a 3 ans? C'est incroyable, au-delà des espérances du début du projet. On dit toujours que le fjord du Saguenay est le pays des géants. On le vit encore aujourd'hui. Le fjord du Saguenay, c'est le plus beau fjord au monde, selon moi. Mais en même temps, il y a des poissons énormes qui se pêchent pour le projet scientifique. Les combats sont des poissons gigantesques qui peuvent durer jusqu'à 16 heures. Même l'année passée, on a vu un combat de 23 heures. Donc, puis hier, quand on avait arrivé, le poisson hier était gigantesque. Imaginez-vous là, la viande qu'il va avoir dans ce poisson-là, ben oui. Mais surtout les recherches scientifiques qui vont pouvoir avancer parce que les connaissances qui vont se faire avec ça, les scientifiques s'intéressent de très près aux flétans du fjord du Saguenay pour connaître un peu leur provenance, leur biologie. Et ils vont étudier l'otolithe du flétan, entre autres. Parce que l'otolithe du flétan, c'est un peu comme la boîte noire de l'avion. Okay. C'est avec ça qu'ils vont être en mesure de savoir, par exemple, la biochimie. Si le flétan a vécu longtemps dans le Saint-Laurent, combien d'années? Et combien d'années il a vécu dans le fjord? Donc, les pêcheurs au service de la science. Donc, si je comprends bien, avant ce programme-là, c'était pas possible de pêcher le flétan dans le Saguenay. C'est ça que je comprends? Exactement, parce que le flétan atlantique est un poisson qui est protégé à ce moment-là dans le fjord du Saguenay. Là, actuellement, c'est un programme de pêche scientifique à laquelle les pêcheurs peuvent le pêcher avec un permis scientifique. Okay. Mais il faut savoir qu'avant 1998, dans le fjord, il était permis de pêcher le flétan atlantique, mais il y a eu un moratoire à la grandeur du Saint-Laurent qui a interdit la pêche du flétan atlantique. Donc, actuellement, l'étude qui est faite, c'est vraiment des pêcheurs qui participent à un programme okay. en collaboration avec le Musée du fjord, ici à la baie, et en collaboration aussi avec l'organisme du bassin versant. OK. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais là, 193 livres, pour nous, c'est un énorme poisson, mais ça peut être plus gros que ça, les flétans. Là. Ça doit être tout un défi de sortir ça de l'eau. Exactement. Il faut noter que le flétan est un poisson qui devient énorme. Il peut atteindre plus de 600 livres. Donc, ce qu'on prend présentement, c'est la norme, imaginez-vous. Mais pour un pêcheur à la ligne, c'est un rêve. Ben oui. Parce que c'est un poisson qui... Oui, c'est un poisson d'une puissance énorme. C'est une force incroyable. Et le plaisir du pêcheur se décuple parce que non seulement c'est un poisson qui est fort, qui est pesant, mais qui est bon à manger. C'est un des meilleurs poissons, à mon avis, ici au Canada. Là. Sa chair est très recherchée. Donc, un pêcheur qui en pêche un, il va donner son flétan à la science, mais par la suite, il va le repartir à la maison pour la science. Moi, la semaine passée, j'en ai pêché un petit de 51 livres. Mais j'ai fait le choix, j'ai donné le flétan à une soupe populaire. Oui, on a vu ça. Donc, ça a été... Parce que oui, ça peut nourrir plusieurs personnes, évidemment. Exactement, parce qu'on sait actuellement comment la nourriture coûte cher, puis les soupes populaires arrivent à peine et misère à pouvoir rejoindre les deux bouts. Donc, cette semaine, il y avait une belle soupe populaire ici à la baie, la soupière, qu'on appelle, et je suis allé porter la viande de mon flétan, puis ils ont eu un repas pour 40 personnes. J'étais tellement heureux, j'étais heureux, puis... C'est un peu les gens du Saguenay, c'est la générosité des gens du Saguenay ici. Puis il y a une belle entraide qui est là, mais ça démontre que la pêche scientifique va servir à la science, mais servir aussi à la communauté. Mm-hmm. Puis c'est une manière aussi à nous de démontrer le fjord du Saguenay dans toute sa grandeur, mais le fjord du Saguenay aussi avec ses trophées, avec ses surprises. Il y a 60 espèces de poissons qui vivent dans le fjord. Puis c'est un milieu qu'on connaît très peu encore, donc ça intéresse beaucoup les scientifiques. Vous êtes un passionné, ça se sent. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce que par la suite, je pense que le programme se termine cette année, est-ce qu'il y aura possibilité de continuer la pêche récréative au flétan? Pour la pêche scientifique, on espère de poursuivre le programme l'an prochain encore, okay. Parce que plus il y a de flétans capturés et plus les données vont être justes et fiables
pour les recherches. Donc, on espère fortement un retour l'an prochain du programme scientifique. Et peut-être la pêche récréative aussi qui gagne en popularité, de plus en plus d'adeptes pour toutes les raisons que vous nous avez évoquées un peu plus tôt. Rémi Aubin, merci d'avoir été là et je vois des parcelles de mon paysage, de ma ville natale derrière vous. C'est vrai que c'est magnifique, le fjord du Saguenay. Merci de nous avoir partagé votre passion. Merci. Bienvenue au paradis, au royaume du fjord du Saguenay. Au revoir.